J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Vlogtober. J'espère que vous aimez ça jusqu'à date, hein? Il y a juste deux épisodes, mais quand même. Une vidéo en deux jours, c'est un bon début. Dans le fond, aujourd'hui, la vidéo, je vous présente mes 10 vêtements préférés de ma garde-robe. Que dans le fond, si j'avais à garder 10 vêtements, ce serait ceux-là que je garderais. Donc, c'est comme pour vous montrer un peu mes préférés, mes vêtements bref, là. Donc, c'est ça. Donc, c'est parti! Donc premièrement, le premier item, c'est des vêtements vraiment basiques. C'est juste une paire de mom jeans. C'est mes jeans préférés ceux-là. C'est des de la marque Twic. Dans le fond, c'est la marque de Simons. Puis c'est des mom jeans, fait qu'ils sont comme plus lousses ici. Puis moi, c'est genre mes jeans préférés à porter, je porte presque juste ça. J'aime ça les skinny aussi, mais les mom jeans, it gets my heart. C'est comme trop confortable, hein. C'est même pas comparable, je trouve, à d'autres paires de jeans. J'aime vraiment ça, moi, personnellement. Puis j'aime vraiment cette couleur-là, comme c'est ma couleur préférée. Tu sais, c'est la couleur de mes ongles, c'est la couleur de presque tous mes vêtements de ma garde-robe. J'aime vraiment, c'est comme un genre de bleu pastel, tu sais, fait que je les aime full. C'est la couleur de des jeans normales, dans le fond, mais plus un peu plus pâle. Fait que c'est ça. Puis ceux-là, en fait, on me les a offerts, donc c'est pas moi qui les ai achetés, mais c'est ça. C'est mes préférés. Ils viennent de chez Simons. Je sais pas si j'ai dit, mais ils viennent de chez Simons. Ensuite, un autre morceau de vêtement vraiment basique, c'est juste un chandail, un t-shirt blanc. Parce que moi, là, un t-shirt blanc, je trouve ça vraiment pratique. Un t-shirt noir aussi, c'est pratique. Basique, je l'ai en noir, celui-là aussi, mais j'ai pas présenté cette vidéo-là parce que je porte vraiment plus souvent le blanc que le noir. Je sais pas, on dirait que maintenant, j'aime vraiment ça porter du blanc. Je trouve ça fait beau. Puis j'aime vraiment la qualité de ce chandail-là. Pour vrai, si vous cherchez un chandail blanc, comme quand même épais, tu sais, il est pas genre full mince qu'on voit au travers, là. Ben, je vous conseille vraiment, je l'ai pris chez Zara, puis il était juste 9,99$, donc c'est vraiment pas cher. Je l'aime full, puis il est comme crop aussi, parce que presque tous mes vêtements sont crop, ou sont soit crop, ou sont soit genre oversize. Donc c'est ça, ça c'est mon chandail blanc préféré, puis avant j'en avais d'autres chandails blancs, mais lui c'est vraiment mon préf. Il y en a aucun qui bat celui-là, fait que si vous cherchez un bon petit chandail blanc baisé, allez chez Zara, je vous conseille full. Ensuite, c'est bien d'avoir un petit chandail un peu plus mignon, tu sais, pour pouvoir se mettre un peu plus cute, puis un peu plus comme ouh! Donc, mon chandail, genre mignon, cute, préféré, c'est celui-là ici. Je l'ai déjà mis sur Instagram. Il vient de chez Garage, je sais vraiment pas s'il l'a encore parce que ça fait comme un petit moment déjà que je l'ai acheté. Puis il va sur les épaules comme ça, je l'aime vraiment beaucoup là, c'est comme un de mes chandails préférés. J'aime vraiment ça, les petits chandails avec comme des petites fleurs comme ça, c'est vraiment à la mode ces jours-ci là. Fait qu'en tout cas, je trouve que c'est vraiment un chandail confort puis full beau puis c'est ça, je l'aime vraiment beaucoup. Puis aussi tu peux le porter sur les épaules comme ça ou comme ça. Mais moi j'aime mieux le porter comme ça, je trouve ça me va mieux. Donc c'est ça. Ensuite, pour avoir un autre bas différent que les jeans, j'ai un bas plus confortable. Moi, quand je mets des bas confortables, je mets des leggings. Donc, ma paire de leggings préférée, c'est celle-là ici. C'est des Bambous, une compagnie sur Instagram. Dans le fond, vous devez la connaître sûrement. Là. Puis, le matériel est tellement confortable, cette compagnie-là. Puis, c'est mon copain Dodo qui me les a achetés, David. Donc, merci fou, je les aime tellement. Ils sont tellement confortables. Pas des leggings pour faire du sport par exemple, comme c'est vraiment des leggings genre de la vie de tous les jours. T'sais. Donc c'est ça, c'est comme une paire de leggings noirs basic, mais avec le petit rebord sur le côté, ça fait vraiment mignon, ça apporte un petit quelque chose. Mettons que tu mets ça avec un crop top, qu'on voit la bande, c'est full beau. Fait qu'en tout cas, c'est mes leggings bref. Ensuite, un petit top basic d'été un peu, mais que tu peux mettre aussi encore là, l'automne, hiver avec des vestes. C'est ce top là qui est comme fait avec du matériel genre de top de sport mais qui est un top de la vie de tous les jours. C'est un top de la compagnie Vita Apparel. Puis la qualité de ces produits là sont tellement bons là, comme les leggings que je porte présentement. C'est des Vita Apparel aussi. C'est une super belle compagnie. Ils vendent aussi des maillots de bain puis des vêtements de sport avec plein de belles couleurs. Ils sont vraiment belles leurs couleurs. Là. Puis c'est ça, je me suis acheté le kit bleu comme ça, kit de sport complet avec le top de sport. Puis j'ai vraiment hésité à mettre ces leggings là dans la vidéo. En fait, je voulais les mettre, c'est juste que là, il fallait que je me contente de 10 trucs. Puis là, si je mettais 2 leggings, ça faisait beaucoup, un peu, je trouvais. Fait que ça reste que c'est ma paire de leggings de sport préférée, celle-là. Tu sais, mes Bambous, c'est plus pour
la vie de tous les jours, mais ceux-là, là, je les aime tellement. Je trouve tellement que la couleur est belle, là. C'est comme un genre de petit bleu mauve, vraiment, vraiment beau. Je les aime vraiment beaucoup. Puis si jamais vous voulez commander sur ce site-là, j'ai un petit code rabais pour vous, c'est Lauriane15 pour avoir 15% off sur votre commande. Donc si jamais ça vous intéresse, ben je vous conseille full pour vrai. J'aime vraiment ces produits-là. Puis je comptais m'en acheter sur leur compagnie, puis ils m'ont écrit, donc j'étais comme oh mon dieu, quel bel addon. Tu sais, c'est sûr que ça me faire plaisir de parler de cette compagnie-là parce que je l'aime déjà à la base. Donc encore là, c'est un petit top basic, mais je l'aime full. Je l'ai vraiment porté beaucoup cet été parce qu'en plus, que j'ai oublié de vous dire, il y a des pads intégrés. Genre, c'est comme vraiment comme si c'était un top de sport, donc c'est tellement fun, là. Tellement pratique, les filles, vous devez comprendre. Là. Wow, vraiment, là, I love this top. Pour continuer dans les tops, j'ai un oversize t-shirt ici. C'est mon t-shirt oversize préféré. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo de mon haul. Donc, c'est ça, c'est juste un chandail qui ressemble à celui du Brandy Melville. Écrit Hawaii au-dessus. C'est comme une de mes destinations de rêve, Hawaii, donc c'est ça. Puis je l'aime fou, j'aime vraiment les couleurs dessus, puis comme ça peut être fou bien stylé, puis tout. Fait que je l'aime vraiment ce top-là, puis c'est ça. Je voulais mettre vraiment un top oversize parce que c'est le fun de mettre ça. Fait que mettons mes bambous, ça fait cute. Ensuite, mettre des tops un peu plus chauds. Puis mon top préféré quand il fait plus froid, c'est ce top-là ici, qui est un North Face. Je l'ai pris chez Marshall. C'est comme un peu winter, ça sent comme winter. Puis la couleur, là. Moi, c'est la couleur qui m'a vraiment sauté aux yeux. Puis le matériel, genre, il est vraiment tout doux. Puis c'est comme vraiment un beau petit chandail d'automne, je trouve, là, vraiment. C'est pas pour rien que je le porte dans mon intro du Vlogtober. Donc, c'est ça. Je l'aime vraiment beaucoup, ce chandail-là, là. Puis je l'ai porté vraiment souvent à date depuis que je l'ai. C'est genre mon top chaud préféré. Puis ce top-là est vraiment chaud, là. Des fois même, là, des fois il fait juste un petit peu frisquet, puis là je mets ça puis je me mets à avoir vraiment vraiment chaud, donc en tout cas, c'est un top très chaud. Puis j'ai reçu plein de compliments pour ce chandail-là, fait que je pense que les gens aussi, ils l'aiment beaucoup. Ensuite, un top typique d'automne, c'est un chandail de laine. J'ai pris la couleur bleu ciel parce que c'est ma couleur préférée, donc ça fait avec mes ongles. So mignon! Puis je l'aime fou, il y a comme un genre de mini col roulé, comme cela, mais t'sais, pas trop intense, juste un petit peu. Ça fait vraiment mignon, t'sais, l'automne, ça fait comme cozy, puis donc je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai pris chez Simons, donc c'est ça, puis il est un peu crop aussi, il est pas comme trop long. Fait que je trouve que ça fait vraiment un beau petit top pour mettre l'automne, donc c'est le mois parfait pour porter ça. Donc je risque de le porter dans mes prochaines vidéos et tout, fait que ça va être un beau le porter parce que je l'aime full. C'est mon journal de laine préféré. Ensuite, pour pouvoir avoir un autre bas, c'est ces pantalons-là. Ils sont tellement beaux. Genre ça, c'est littéralement ma paire de pantalons préférés. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis depuis que je l'ai acheté, je les porte toujours. Ils m'ont coûté un peu cher. Ils valent la peine parce que la qualité est vraiment, vraiment bonne. Ceux-là aussi, je les ai pris chez Zara. Puis le dessus, là, comme le haut, il est comme un peu style genre paper bag, là, qu'on appelle, là, comme ça. Je les aime full. C'est des mom jeans, ceux-là aussi, parce que comme je vous l'ai dit, moi, les mom jeans, j'adore ça. C'est vraiment des pantalons que je trouve confortables, donc c'est ça. Je les adore vraiment beaucoup, puis je les conseille full. Si vous les voulez, allez chez Zara, puis prenez-en, on va tous être des twins. Ensuite, le dernier item, le 10e item, dans le fond, c'est un chandail comme cela. C'est un chandail de chez Pink, qui est comme un genre de orange. Donc ça, c'est vraiment une belle couleur portée l'automne. C'est vraiment mon chandail préféré. Il est comme pas aussi chaud qu'un coton ouaté. Ça, c'est bien parce que c'est comme pas trop chaud. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Puis tu sais, le devant, il est comme... Tu sais, vous regardez ça, vous êtes comme... Ah, c'est un peu plat. Mais quand on le retourne, waouh, c'est beau, hein? Je sais, moi aussi je l'aime vraiment. Donc c'est ça, mon item que je porte vraiment souvent, puis je me sens full cozy dedans, puis voilà. Je l'aime full, il vient de chez Pink, Victoria's Secret Pink. Donc c'est vraiment ça pour cette vidéo-là, tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça pour ma deuxième vidéo du Vlogtober. Donc si vous avez aimé, laissez des thumbs up, puis on se revoit dans le prochain épisode, lundi le 5 octobre, pour une autre vidéo du Vlogtober. Donc c'est ça, bonne journée tout le monde. Bon vendredi, on est vendredi. Yes! Fin de la semaine. Bye!